feeling that keeps me alive. Hope is another reason why I should survive. And love is not exactly what beaten by my son. Babe, let me just enjoy my pain of life. That keeps me alive. Recyclart est né au début de 2012. En fait, au fil du temps, j'ai commencé à travailler de plus en plus avec des matériaux récupérés et je me suis de plus en plus attaché aussi à l'écologie. Et j'ai décidé en fait cette année, en même temps que d'organiser mon exposition annuelle, d'inviter des amis à moi, une vingtaine, à faire chacun des choses autour du recyclage ou de l'écologie. Soleil était en bas, la lune par terre. J'étais chinois. La faucille nous écorchait, le marteau nous assommait. Et le capitaine tentait de nous achever. J'ai eu quelque chose pour cette voiture-là, et puis c'est aussi un petit peu mon histoire par rapport au street art, puisque le premier pochoir que j'ai posé dans la rue, c'était ce Fiat 500-là. Et donc j'ai décidé, donc après 7 ans de graffiti, etc., de ressortir ce pochoir-là pour en faire une édition limitée. Et, entre guillemets, je voulais refaire un retour à l'origine. Donc tu as recyclé ton art? Oui, j'ai revisité plutôt que recycler mon art. Puisque bon, recycler, c'est comme si je l'avais pris, complètement transformé, etc. On va dire que j'ai revisité mon art sur support recyclé. Yes. Voilà.